Joe Biden, le chef d'État sortant, a jeté l'éponge à 4 mois de ce scrutin devant la certitude de ses défaillances qui conduisaient son camp démocrate à sa perte. Cette décision, pour courageuse qu'elle soit, sort surtout de l'ordinaire parce qu'en d'autres temps, même l'immense Franklin Delano Roosevelt, certes handicapé physique mais pas cognitif à l'instar de Joe Biden, resta au pouvoir au point de mourir de maladie en 1944. Joe Biden aurait aussi pu s'accrocher, bien que son camp doutait déjà ouvertement de lui, mais il s'en était mieux sorti dans un débat après celui calamiteux face à Donald Trump. Un argument qu'il aurait donc pu faire valoir pour se porter à nouveau candidat pour diriger les États-Unis. C'est donc ce renoncement qui est à saluer. Chez nous, une telle issue est-elle envisageable? Le président de la République entretient le mystère à ce sujet, ayant répondu de manière énigmatique à cette question lors de la visite d'Emmanuel Macron, le chef de l'État français, au Cameroun. Désormais, la candidature du chef de l'État camerounais en 2025 est inscrite dans l'ordre des choses, le camp présidentiel étant plus que jamais attaché à son champion et toutes les ambitions y étant renvoyées au calendre grec. Mais même si comparaison n'est pas raison, comme Joe Biden l'a fait, c'est au président Paul Biya de trancher cette question. Très clairement, son prédécesseur, Ahmadou Ahidjo, avait opéré son choix dès 1975 en nommant Paul Biya premier ministre et en le confortant comme son dauphin en 1979 par une révision constitutionnelle. Faut-il croire que le président de la République ne saurait envisager l'idée de passer la main? Difficile de l'imaginer. Le moment venu, choisir